Bonjour tout le monde, c'est Gretwan et bienvenue pour la toute dernière vidéo de participation. On va lancer le match en même temps. Donc c'est un petit match, une petite battle royale à finisher. Donc oui, toute dernière vidéo pour la participation. Je précise que ce sera pour faire face à l'Undertaker, puisque ça se passe à WrestleMania 30. En gros, il n'y a pas encore eu de défaite finalement, vu que voilà, WrestleMania 29 c'était CM Punk. C'est comme si Brock Lesnar contre l'Undertaker n'avait pas existé, en tout cas dans le scénario que je fais un peu avec vous là. Et du coup, j'ai besoin de 30 personnes. On va faire une sorte de battle royale à 30, donc j'ai pas envie de l'appeler Royal Rumble, parce que Royal Rumble c'est pas exactement pareil. Donc voilà, 30 places, je prendrai les plus rapides comme d'habitude. Désolé si le système de commentaires peut bugger selon le moment où vous le mettez. Là j'y peux rien et je peux trier que comme ça. En tout cas, on verra bien. Oula, si je... C'est la première fois que... Enfin non, pas la première fois, mais peut-être la troisième fois ou quatrième fois que je vais dans le ring NXT. J'avais pas vu que même la caméra avait... Non, même pas, non, j'ai rien dit. En tout cas, voilà, je sais même plus jouer. Sans vous mentir, j'ai pas rejoué depuis longtemps. En tout cas, proposez-vous 30 places pour la Battle Royale pour savoir qui affrontera l'Undertaker. Essayez de choisir quelqu'un qui puisse offrir un bon match. Vous savez, pas forcément... par exemple, Santino Marella, même si j'aime bien, hein, mais... Enfin, j'aime bien. J'aime pas son gimmick... d'italien rigolo, mais c'est pas grave. Mais ouais, si vous pouvez choisir quelqu'un qui puisse rivaliser, donc je sais que c'est pas pratique quand plein de superstars sont déjà prises, il n'en reste plus beaucoup, mais voilà. Et évidemment, choisir n'importe qui sauf Goldberg et Randy Orton, parce que ce sera le main event pour le titre. Randy Orton ayant remporté le Royal Rumble et Goldberg ayant remporté l'Elimination Chamber, donc toujours champion, le King of the Rumble en plus, Goldberg. Du coup, bah voilà, 30 superstars pour affronter l'Undertaker, ça peut être magnifique. Ça dépend qui est tiré, mais normalement on fera en sorte. Hein. Oh, Miz Line. Du coup, ouais, je voulais un deuxième match, pas faire juste un match pour le titre, et comme c'est WrestleMania, donc l'Undertaker, WrestleMania 30, tout ça. Ça peut offrir un bon match, ça dépend qui est mis, n'importe qui, hein, même les légendes, je veux pas le savoir, sauf Randy Orton et Goldberg. Et sauf évidemment l'Undertaker, hein, sinon ça n'aurait aucun sens. Et du coup voilà, j'ai mis un petit match comme ça, NXT, parce que j'ai mis que des mid-carders à peu près. Surtout que je vais jamais dans l'arène NXT, et ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué à ce jeu-là. Ça arrive souvent, c'est quand on a les annonces des prochains jeux de la WWE, par exemple, ou des prochains jeux que vous voulez, si vous avez le jeu d'avant, vous avez moins envie d'y jouer, hein, vous avez envie d'avoir le jeu qui va sortir. Et en plus, il a été repoussé, ce fumier. Du coup, mes dernières vidéos seront sûrement le jour de la sortie de 2K15, mais la sortie PS3, et, enfin la sortie current gen, du coup. Oh, Disaster Kick qui est pas passé. Au mois d'octobre. Moi je prendrai la version PS4, donc faudra attendre un mois à peu près. Ça sera en novembre, hein, donc il n'y aura pas de vidéo de la WWE sur ma chaîne pendant un mois. Ça vous fera faire une pause à vous aussi et à moi, du coup. Comme ça, du coup, je mettrai rien à la place. Hein. Tant pis, il y aura deux jours où il n'y aura rien, mais ça me fera aussi souffler et prendre un peu l'air sur ces jeux. Histoire de. C'est ce que je fais souvent aussi. Quand bah, un autre jeu de la WWE va sortir, c'est vu que j'y joue énormément. Oh, magnifique, regardez, Cesaro, magnifique, le Pile Driver, le Jumping Pile Driver. Vu que je joue énormément au jeu de catch, c'est bien de lâcher un petit peu, histoire de voilà, histoire de l'attendre encore plus et d'être encore plus enjoué. C'est très mauvais de jouer tout le temps au même jeu et d'avoir la suite directement après. Vous savez, on sort de la période jeu et finalement on recommence. Attention, Wade Barrett va bientôt éliminer quelqu'un, tout comme Kofi Kingston. Wade Barrett, Bull Hammer sur Dolph Ziggler. Kofi Kingston n'est pas loin non plus d'éliminer The Miz. Mais Wade Barrett l'en empêche, c'est bon. Donc voilà, 30 superstars pour affronter l'Undertaker en règle de Royal Rumble ou Battle Royale. Over the top rope. Oh, Disaster Kick sur Cesaro. Mais la back souplex. J'aime bien la couleur du ring, vous savez, qui fait très... qui fait très... Oh, le DDT du Miz. Bah, très chaud, voilà, chaud... Moyenne audience, on va dire ça comme ça. Enfin, je sais pas si... Non, plus indépendant, ça fait... Voilà, c'est pas blanc-blanc comme la WWE. Aïe, mais laissez-moi... Je me prends une tollée, là. Mais c'est pas grave. Oh, j'ai mal. Ah, The Miz va éliminer Kofi Kingston. Oh, et Wade Barrett, c'est la deuxième fois hein, qui l'empêche, The Miz. Et là, la gut range de Cesaro sur... Oh, le double headbutt sur Cody Rhodes. Et Cody Rhodes, je vais l'éliminer. Comme ça sera du 4.
avec un Neutralizer. Donc oui, 30 superstars, dépêchez-vous, hein, je prends selon le temps de... Bah, le moment que vous avez mis le commentaire. Et bah évidemment, ce sera pour affronter l'Undertaker, donc essayer de choisir quelqu'un de... qui puisse rivaliser. Magnifique le crossbody. Aveuglement. Boum, la manchette. Donc c'est que par finisher hein, qu'on peut éliminer là. C'est des matchs que je fais comme ça. Enfin, en général, les matchs par finisher, c'est juste quand je fais un petit scénario un petit peu aléatoire en solo. C'est juste pour dire que deux superstars se foutent sur la face. Regardez The Miz. The Miz called crushing finale. Il a éliminé notre ami Wade Barrett. Oh le méchant. Le sacripant. Le sacripant. Voilà. Coup de la corde à linge. Et encore un coup de la corde à linge. Et il le fait lui aussi le power slam. Boom. Bitch. Et toi ça va être... la manchette à l'européenne. Donc je répète une dernière fois, proposez-vous pour la Battle Royale de 30 superstars pour savoir qui affrontera l'Undertaker. Très important. Mais viens pas vers moi. Je voudrais que tu fasses ton finisher sur Kofi Kingston, please. Tiens, je te le place en plus. Je te le place. Je sais pas si c'est bien placé. Non, c'est pas bien placé. Un sit down powerbomb, ça fait du bien. Boum. Alors. Voilà. Voilà, c'est bien. Comme ça. Oh, le skull crushing finale. Bonjour. Et du coup, bah oui, on n'est plus que deux. On n'est plus que deux. Donc ouais, là il y aura un match contre l'Undertaker et un match entre Goldberg et Randy Orton pour le titre de la WWE. Aïe. Ça peut être n'importe qui, hein, Cesaro, The Miz. N'importe qui. Celui qui gagnera de toute façon. Allez, encore un sit down powerbomb. J'adore Cesaro par contre. Bam. La petite gut wrench. Hop 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 hop. Gut wrench suplex. Bam. Et j'aime bien l'arène de NXT avec des barrières et tout. J'y vais tellement pas souvent que je m'en rappelais plus qu'elle était comme ça. Après, je regarde tellement pas souvent NXT. Je regarde sûrement surtout les takeovers parce que j'ai pas le temps de regarder tout. Déjà, l'héro, c'est long et en plus c'est chiant. Je sais qu'NXT c'est mieux évidemment. Boum. Boum. Allez, vas-y, saute. Je te laisse sauter. Oh non, fais chier. La manchette à l'européenne. Puff. Voilà. Ah oui, c'est vrai, pourquoi j'ai gardé deux finishers, j'avais oublié. Enfin bref. Du coup, voilà, proposez vos superstars 30 pour faire face à l'Undertaker et n'importe qui, sauf Goldberg et Randy Orton, logiquement, et sauf l'Undertaker aussi. Après, ouais, au pire, ouais, non, non, pas l'ancien Undertaker, ça ferait moche. Enfin bref, oh, la manchette Springboard European Uppercut. Voilà, j'espère que vous avez apprécié, on se retrouve à la prochaine vidéo pour un gameplay ou une participation ou autre. Et à la prochaine pour WrestleMania 30. Allez, salut. To survive this elimination battle.